Enquête réalisée par le ministère français de l'Éducation nationale auprès d'une classe de 3e, donc des élèves de 14 ans, après un an d'utilisation des cartes heuristiques au cours de français et pour certains au cours de latin. En général, pensez-vous que le travail avec les cartes heuristiques a été utile pour vous? Oui, beaucoup. Oui, cela m'a beaucoup aidé, surtout pour apprendre mes leçons. Oui, quand même. Un seul élève a répondu de manière négative. Je n'ai pas vu de différence. D'après vous, ces cartes vous ont-elles apporté une aide? Et si oui, laquelle? Elles m'ont apporté une aide précieuse pour mieux comprendre les cours. Elles m'aident à retenir parce que c'est plus clair qu'un texte. On retrouve mieux les idées. Pour mieux comprendre. Pour apprendre plus facilement. Pour rédiger plus facilement. Les cartes permettent une meilleure organisation des idées dans un texte. Pour trouver des idées et les regrouper avant de rédiger. Pour faire des recherches et pour prendre des notes pour les prises de notes rapides. Et parmi les cartes réalisées, lesquelles vous ont paru les plus utiles? Les connecteurs logiques. Les figures de style. La conjugaison des temps et leurs valeurs. Écrire une lettre. Les plus utiles sont les cartes pour préparer une rédaction, car c'est plus simple après pour rédiger. Et pourquoi? Les cartes sont claires, on voit le plus important au premier coup d'œil. Ça permet de voir les choses de façon plus synthétique. C'est plus simple à lire. On ne retient que les mots-clés et les images. C'est bien plus facile que d'apprendre un texte ou même un tableau. Sur une carte, il n'y a que les idées principales qui permettent de reformuler des phrases. Alors que dans un texte, il y a plus de mots et on retient moins bien. C'est mieux organisé et c'est plus clair avec les couleurs. Et pensez-vous continuer à utiliser les cartes heuristiques? Oui, peut-être. Aucun élève n'a répondu non. Et dans quel cas précis allez-vous utiliser les cartes heuristiques alors? Pour apprendre, pour réviser. Pour rédiger des synthèses, pour rédiger des textes, pour prendre des notes claires. Pour résumer, les cartes heuristiques sont utiles pour apprendre, pour comprendre, pour écrire et pour prendre des notes.